nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice. Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle n'est comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soignez la prostate sans médicaments ni opérations. Je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. Exactement, très bien. Parce que nous passons la première augmentation, comme la reine, par rapport à sucre. Donc, tout cela nous a vraiment très bien. Maman. On va passer à la question. Côté Oana, est-ce que c'est l'étouffante? Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros. BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1@gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombé, à côté de DGI. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Eba TV. Très heureux de vous retrouver dans le cadre de notre émission Éveil Patriotique. Merci de nous avoir choisi pour vous informer. Aujourd'hui, trois sujets seront débattus par nos invités. Premier sujet, l'état de santé du président Félix entre transparence et tabou. Toko Zouabavi Nabango. Deuxième sujet, le gouvernement provincial de Kinshasa a été investi depuis dimanche 4 août 2024. Le gouverneur Daniel Bumba promet de réussir à faire de la capitale congolaise une ville moderne, salubre et aussi sécurisée. Un programme chiffré à 10 milliards 900 millions de dollars avec comme slogan Kinshasa et Zobonga. On en parle dans cette émission. Et le troisième sujet, élection du bureau définitif du Sénat, trois candidats présidents de l'Union sacrée en ordre dispersé, Samalou Kondé, Idriss Mangala et Jonas Mukamba. Barondé Bakoué, Léla Bongo, Perchoiria Sénat. Et pour parler de ces sujets, nous avons reçu pour vous Mwanamboka Joseph Mbeza, Wazali Mokoyaba, communicateur et à parti présidentiel UDPS, à repartager plateau na troisième intellectuel à Kabea Kamwanga, Papi Josso, communicateur et Aldec, parti cher à Madame l'honorable Adel Kainda Maïna, Barondé Bako, répondre à ma question na Bissot. Bienvenue Joseph Mbeza. Merci Indeko Mitterrand, Naya Pona. Invitation au Pessingaï na Mokola Lelo pour partager information na bande Konangaï, au Baza A en Amboka et puis au Baza na diaspora. Nangaï na Pesa ba joyeux anniversaire, notre grand frère Chiquito Mouchachino. Grand frère, joyeux anniversaire, que Dieu vous accorde encore longue vie. Et puis Nangaï na rassuré Bino Place Bozali que nous sommes entre de très bonnes mains à Pasteur Guili pour na ba conseil, pour na ba orientation. Et puis, on a salué
Ndekonanga Pascaline, Bandegonio Stozanabon, Aéba TV, Bachole, Babigael, sans ouvrier, Bato Nyonso, Bazo, qui ont encouragé Bissona Mikilia Poto, et puis Awana Kinshasa, Pasteur Roger Kabongo, na Maman Karine Kabongo, sans oublier un grand frère qui porte Aéba TV, Namote Mané, Aza toujours abonné. Grand frère Nanga Kesta, na komisi message Yeba TV, lelo baibi que vous allez vraiment abonné na kata Yeba TV, sans oublier mon frère maître le troisième intellectuel de Kabeya Kamwanga soukition kana 3 lingi 4e azalaté, je ne sais pas pourquoi. Donc être assisté na émission boy en direct pasteur Gilia Zawana, c'est vraiment un honneur. Et puis sans oublier des Papson de tous les temps, de tous les jours, Namoni Mike Chiswaka en linette et puis en filet, Mpangiamounou Monsi à la commune centrale, Steve Konde et puis DG Chadrak. Merci beaucoup, merci Nandengo Ndimiko, honoré invitation à Yeba TV, troisième intellectuel à Kabeyaka Mwanga, Pabé Josso, bienvenue. Merci beaucoup Ndeko Mitterrand Naya, Lena, l'ami personnel du troisième intellectuel de Kabeyaka Mwanga. Bonsoir à tous les peuples congolais oyo bazuli bakou na bango ya kolanda biso lelo na Yeba TV parce que tolingaka bango et loko moko na lobaka tolingaka bango na mayele te bango pe bakoki kozana na mayele koleka biso mais tozwaka ndeli bakou ya koya na mesa ya Yeba TV pendant ko kabola pe li solo et je suis tellement dans la joie parce que c'est la première fois na sala émission na Yeba TV assistée par un dinosaure communicationnel oyo chetani moko baptisa molobeli ya peuple pasteur Kili Bogola. En tout cas nzamba pambola parce que aza modèle pona biso. Je suis en train de prier Dieu pour que na soirée ya vie na ye avanda atala biso balé ki ndenge tozo kende tozo mema schéma oyo ye ala kisa biso po azala na esengo. En tout cas, équipe technique Mobimba, Napesi Bangombote, Steve Kondé, Mike Chiswaka, Namoni Ndekonanga de Papa, de tous les temps, de tous les jours, DG Shadak Luo, Nabande Konanga, tout nyonso, ba défilaka na mesa awa, Bangonyonso a Yeba TV, Napesi Bangombote, Bisika Bazali, Ndekomitera Naya, merci beaucoup pour l'invitation, parce que à chaque fois, autant de la gabi, sur le boko, biso pe to accepta kayango, et l'ongona Ndekonanga, Joseph Mbenza, pour que tu yako kabola, maye matali, mbo kanabiso, Congo démocratique. Merci Nako Honoré, bongo, invitation na biso, na présence na bino. Alors, Joseph Mbenza, l'état de santé à présent, Félix. Ça fait débat, ça fait polémique. Tu es bien que mon conseil à Kazaki a entendu. Il y a commémoration, il y a deuxième année, il y a Génocoste. Donc, pour la guerre, il y a six jours, les Kanaki Sangani. Et le 31 décembre 2024, un communiqué de la présidence et le Baki que mon conseil à moyen aya li susu ko participer en activité on a ko zalaté parce qu'a ko séjourné na Belgique pour un suivi médical préalablement programmé pour soigner une hernie discale qui était jusqu'à son déplacement prise en charge par une équipe médicale il y a hôpital militaire et à Kanchachi. Aujourd'hui porte-parole il y a présidence madame Tina Salama à l'obéke Mokonziamboka le lo mardi à tenir bongo une séance de travail dans l'ambassade à RDC en Belgique et le chef d'État va s'exprimer sur des sujets d'actualité sur Top Congo avant son retour à Kinshasa. La question, l'opinion a divisé par rapport à la gestion de l'état de santé à chef de l'État. Communiqué à président, c'est Pesa qui détaille sur l'état de santé à chef de l'État. Batmoussou Sobalobi, transparence, Wanez Ali Malamouté. La personne à chef de l'État est sacrée, il faut que bombe l'état de santé naïe. Batmoussou Soubalobi, non, Azamoutou, comme tout le monde, il peut tomber malade à tout moment, comme tout être humain. Et la transparence, ça permet à la population, au peuple congolais, de savoir comment se porte le président. Alors, en tant qu'analyste politique, est-ce que Oza pour cette transparence, Tozo considérer que l'état de santé à chef de l'État est anglais à la tabou pour la Kolobela Yango. Ndekomite, la personne du chef est sacrée. Au-delà d'être bantou, mais dans le monde, la santé du chef de l'État ne doit pas faire l'objet à la polémique. Il y a un certain détail qui gardera. Souvenez-vous même à l'époque de Mobutu, pour que Batoubaï ait prostate à Mobutu, il a fallu que, et comme on a stade Moko terminal, il y a un débat non saki. Mais Mobutu a bandé prostate, c'est banda longtemps. Mais on avait caché.
Je me souviens, M. François Jacques Chirac, qui était le président algérien Abdelaziz Bouteflika, Abimi, a au total, na quatre à bureau de ma chambre. Abimi, ba journaliste, ba tendre micro, ba tounye, mais quel est l'état de santé du président algérien? J'ai trouvé un homme avec toutes ses facultés. Il pouvait dire d'emblée la vérité que le président Abdelaziz Bouteflika n'a plus ses facultés. Mais il ne l'a pas dit. Il a menti. Mais Koko Sawana, c'était justifié. Parce que la santé des chefs doit faire l'objet de beaucoup, beaucoup, beaucoup de précautions. Il y a un moment où il y a Mikilignon, même dans le Congo, ça, le Congolais, il faut que le Congo effectuera une visite et misato. Visite d'État, visite officielle, na visite privée. Dans la visite privée, il y a un moment où il y a ba visite on a ba nous ça départ à Mokonzambo kate mais beaucoup constaté que Mokonzambo kazali parce que il y aura aucun communiqué na ba média, il y aura un communiqué na communication parce que on garde ça mais les gens sauront qu'il est parti. Ba image nyo so ba to ba kozwa kuna ba la ki sa ngote ce qu'il est en train de faire, peut-être en vacances aketa la famille, peut-être visite médicale de routine, c'est comme ça le terme qu'on utilise, visite médicale de routine, on va bien à check-up, mais et cause à la peca moko grave, soit gravité, mais on sait utiliser des termes qui convient. Vous comprenez? Alors, nous avons été choqués d'apprendre que un certain Perro Louara a divulgué information sur la santé du chef bien avant. Et puis les gens laissent comme ça, même tous ceux qui ont l'argent dans notre régime. Personne n'a mis l'argent dans la communication pour dire que non, voilà les mensonges qui sont en train d'être divulgués par ce monsieur qui a annoncé le président même Alité en train d'être conduit en évacuation. Vous voyez, il y a un moment où il faut tout le monde faire vérité. On a appelé ça car pasteur Guilly raison. Parce qu'au sein de l'Union sacrée, il n'y a que des hypocrites. Mais comment M. P, c'est bon, donc on bénit M. T parce qu'il ne le mérite pas. Comment ce monsieur incestueux, comment cet immoral est sorti de la ville province de Kinshasa? Mais par une délégation officielle, je crois, selon nos sources, il y a Premier ministre Sama Lokonde qui veut aujourd'hui devenir notre président du Sénat. Ce monsieur n'est pas crédible parce que Perro Louara Zara à mon côté. Ils sont ébellés, qui sont contre le président, mais qui sont entretenus par notre régime. Il y a un moment, la bise toujours s'insurger contre Bilokwana. On a annoncé dans les médias que dans les heures qui viennent, dans le jour qui vient, on a mon Konzambo Kanabiso, Nakati ambassade Nabiso en train de travailler. Aujourd'hui, je suis conforté de voir que le président se porte mieux et il est en train de travailler dans notre ambassade. Ou à quoi qu'on soit payé ordonnance, à quoi qu'il peut ordonner à partir de là, ici les choses se passent. Donc, Bissot nous a rassuré la santé à Mukonzamboka et que pour dire aux Congolais que le président de la République se porte très bien. Donc, nous tenions à la ratendeko. Nous tenions à la ka. Donc, on a moukapé, on a béni moi, kosu. Mais comment, on dit que Congolais, comme il a qui m'ont même tant que l'ingaka Félix, mais souhaiter sa mort, mais souhaiter sa mort, même que Pasteur Guili, qui a dit qu'on opérait, mon Congolais, ça va fungoli, et qu'il a fait encore une rechute. Et j'ai vu ça dans les réseaux sociaux, et comme au Tambola. Non, moi, les gens qui m'ont mamabé, le président se porte bien, c'est un être humain, il peut tomber malade. Mais le fait déjà que celui de se tenir n'a communiqué à la présidence de la République, n'a paragraphe mon balobé que avant son déplacement pour Akene Belgique, il a été pris en charge par une équipe médicale hein, à l'hôpital militaire à Kanchachi. Quand on sait déjà que l'hôpital Wana Izalaki, ils a presque reconstruit et puis bah équipé en on a bah matériel moro sophistiqué comment on a que bah une prise en charge Wana Isilité et qu'on quitté Mokozi Sengela qui ne dit pas d'abord matériel les choses qu'on a ça n'a pas tenu peut-être il y a un peu cette gravité à situation non il peut cette gravité à situation parce que bah il n'y a régime d'abord il y a Mokande bah peut ça qui information à ma baie quoi l'armée population que non abîmé Koutou en évacuation d'urgence mais le président avant là ne commit tant à zoko mon ami qui la porte à l'état en France. Deux jours avant, on a annoncé Bilokwana, Azalaki, n'a pas Congolais, il y a diaspora à France. Il leur a parlé sur la situation du pays. Donc, il n'y avait pas une situation alarmante. Il y a un mot qui est appelé à Zoka, moi. Et ça, on a battu, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, mais, est-ce qu'on ne peut pas le discipliner un peu? Parce que ça n'est de trop que le régime, on a dit, 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 on a première dame Nenga Lingi, on a maman Mokonzamboka Nenga Lingi, ça n'est un peu de trop, toi, peu mi balité. Navi, toi, peu mi bali.
Et puis, dans le Bissabango, mon compte n'a pas la Belgique. J'encourage pas Péro Louara, mais est-ce que aujourd'hui il ne s'inscrit pas dans l'ancienne école, il y a eu deux personnes à l'opposition. Mais mon compte n'a pas la Belgique, parce que Gili a aidé un Bissot à la IDPS, quand le maréchal est tombé malade. Banem bakene ko sala peme na maréchal Mobutu ezabi so IDPS te ezay Etienne Mutu se déplacer kit tango nani Kongo Mobutu akufi Kongo Mobutu ay pasteur Kongo Mobutu akufi le maréchal na liste ba invité Etienne Tshisekedi to mulu mazala ite et maréchal ayoki que Etienne a quitté na aéroport à Guadeloupe bi boke de Zulanga et Mbangu il vient compati mais biso tango to kufi li banem ba ki personne. Monseigneur Moulumba Koufi, Batou Bayete, Etienne Tshisekedi de Moulumba, mentor Yangana Pasteur Gili, Nabisonyo sur la Congo Moulumba Koufi, Bayete, ce sont les mêmes aujourd'hui, Bazolanda, Bazoluka Félix Akoufa, Tata Moussi Nakoufi, Bayete, maintenant on a sa famille Tshisekedi, Bayakate, mais Bissoso qui va m'en battre Félix, au moment où on a mon se déplacer à Ketalaba. Donc, ils ont monté ma mère, mon côté, on dirait, mais Félix Akoufa, il est entre les mains du Seigneur. Très bien. Donc, à comme ma mère Netina Souka, et puis à continuer parce qu'on a la carte dans la scène politique, nous lui souhaitons tous nos vœux de y a rétablissement complet qui nous revienne ici. Mon amboka Papi Josso, vous en avez qu'il faut gérer l'état de santé, il y a président de la République en toute transparence ou soit c'est une personne sacrée, il faut que bon état de santé naï. Bon, de comité rang na ko bandana nous par rapport à allocution de ko Mbenza, dans ma propos y a Louara, oye Shoka Kingape, et je me pose la question pourquoi ce monsieur Bakoki émettrait un mandat d'arrêt international pour Naye. Là, je m'adresse avant de répondre à la question à monsieur le président de la République. Na régime na biso ouyo, oye IDP sa souffra ba kalsina batu. Oh papa Etienne Tshisekedi atikala na pas cicatrice nan zoto. Il dépasse banda ko yebise biso. Na régime ya IDPS o ya vaincre. Ce sont les Mobutistes, ce sont les Kabilistes. Comment vous pouvez imaginer que monsieur qui insulte le chef de l'État mais aza entretenu par le Premier ministre. Pero Louar a voyagé par l'ancien Premier ministre. N'a pas frère à Premier ministre. Pendant ce temps, le communicateur et l'Union sacrée délaissé à leur propre triste sort. Ceux qui ont tali mode opératoire, il y a bateau et mon pesaka mandat, tout comme Anno Makabango, voilà pourquoi je demande la sagesse et l'intelligence. Il y a président de la République à Fongolais un peu l'itoy par rapport à l'Ikambouana. Dans la santé, il y a Mokonzi Mboka. Une catégorie de personnes, Bakoloba, il fallait garder la santé du président de la République, bien évidemment, parce que le président de la République est une personne sacrée. Oui, Toboïté. Non. Ce n'est pas bien. C'est bien parce que mon conseiller Moutou, Azan Nanzoto, Azan Makila, a occupé Kobela. Maintenant, moi je donne des, je réponds pas des exemples. Ceux qui toquaient dans les États-Unis, le président y a États-Unis, Joe Biden, malade, a quoi a sali shit en public. Maintenant, la question que je pose dans Batouana, faudra-t-il pas garder ma image Joana Toba Bomba? Parce que c'est de la santé aussi du président, il y a États-Unis. À quoi il y a un public? Wana, est-ce que tu as un mensonge? Oh, ça n'a pas de Boutelfika. Tu as copié sa vérité parce que les vidéos sont virales. Tout le monde a Kayango. Na toile. Baboyome, na baboyomez, babandaki kozi la mokozi na bangwaya. Mais oyebi kendeko mitere na vie, ezakaba o babenga kaba imprévu. Na koki kozala, loko lakande tolobaka, l'homme propose, Dieu dispose. Le président de la République na communication nae. Par rapport ya événement malheureux, o yo kabili ya mema na mboko yo. A proposé que en telle date na ozala na boyoma pona mona
Bande Konabiso, Oyo, pendant plusieurs années, mandat, règne, il y a Joseph Kabila. Batikala qu'on s'est souvenir, il a plus de 12 millions de morts. Mais le président de la République a lobby de Kokende. Mais comme l'homme propose et que Dieu dispose, voilà pourquoi nous autres, Yamokonzi et Ningani, et permettre à Kokende. Moi, je ne condamne pas la présidence. Par rapport à la communication na bango, ce qui est sûr, la vie du président de la République est entre les mains de Dieu. Parce que Félix Tshisekedi, au matin de son pouvoir, et bien les babandi kouluba, ba Fayoulou, ba Kabila, ba Katumbi, a osala 3 mois de pouvoir. Ba tanta et paille, ba mbiska de paille. Mais Tshisekedi n'est pas mort. 6 ans. Donc, Tshisekedi est entre les mains de Dieu. Batoubabanda ou Gansaloko la liseki, Tshisekedi au stade des martyrs, à Zimbo Kakongo, à Zongiseli Nzambe. Il a reconnu qu'au-dessus de moi, il y a un Dieu qui existe. Et ça, il faut féliciter le président de la République. Peut-être c'est à cause de cet acte-là que le président de la République avait posé que nous avons Ba Christian Malanga ba ya boy, ezo simbate. Ba Tchela ya tata boy, ezo simbate. Ba Bongo ba conseil na ye, ezo simbate. Avion, esali crash, nani na ya koufi, ezo simbaka kate. Seul Dieu nde azo maintenir vie ya président de la République. Quel que soit bateau ba kolo ba ke non, il fallait pas kobimisa yango santé ya président de la République. Quel que soit ba o ba lobi non, to bimisi yango boy. Pour que, parce que, vous voyez que, d'une part, ndenge, Balobeli santé à président de la République pour découvrir que Bangouna Moussous. Oui, mais il y a Moussous à cause de la. Il y a une candidature, il y a un Sénat, croyant que Tshisekedi a sauvé là, le Sénat est une institution, ceux qui m'ont conduit à ça, empêché, il y a un président de la République. Ma candidature, il y a un candidature, il y a un au moins, si on a échoué. Donc, Moutouazalaki, Premier ministre, parce que je n'ai jamais été pour ça, Malokonde. Très bien. J'ai fait même une déclaration que Ngaï, je ne me fais plus appeler communicateur à Union Sacrée. Très bien. Parce que Union Sacrée et Zali Nabamakambu. Et belé, leader qui lit beaucoup à la paix à l'lobby, il n'a jamais été pour l'Union Sacrée. Binomoko Bomoni Makambo, Union Sacrée, les lobes candidature, candidature et zo qui n'est Sénat, parce qu'ils ont appris que le président de la République est malade. Donc maintenant, il faut totaler la banque bien. Très bien. Alors, le président est malade, mais il va déjà très bien parce que a participé à la séance Moura Travail na ambassade Nabisso na Royaume et à Belgique. Ça veut dire que il va déjà bien, il va s'exprimer sur les différents sujets qui font la une d'actualité sur Top Congo d'après. On a Mboka, en République démocratique du Congo. La dernière institution est Sengeli et Zoa Bureau définitif Nango Sénat. Ou pas ouah plutôt comment on a déchiré na Union Sacrée, consensus ses alités. Samalou Kondé, qui était déjà pressenti candidat président de la Union Sacrée, Akei Bongo indépendant. UDPS parti au pouvoir et présenté Idriss Mangala comme l'étiquette gagnant na Bango. Mais Jonas Mukamba aussi, oh Jonas Mukamba, Azaraki ressortissant Mbujimaï, il est allé se présenter comme candidat sénateur na Mbandaka. Abimi kuna batuba kanisa qui peut-être urgence n'inga kenda qui wana sengela qui yenda za la Bongo candidat président ya UDPS, ça pas marché. Tout ça, je me pose la question, pourquoi consensus ces alités? Pourquoi Union Sacrée se mettre d'accord te pour la kotigre tike gagnant n'inga za la ki leka na Assemblée Nationale? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Yaya nanga gili oubi na omna kanda. On a livré dans ces régimes Yabiso et que ceux qui sont entretenus, mieux entretenus que nous, sont des gens qui viennent de la Kabylie. Ça ne s'explique pas. C'est vrai. Nazomon a grand frère Nangaba risque à soi la communication dans Mbokao. J'ai vu même un ministre ici, à Kenamikila Poto, Balane Mukonza Mboka, la délégation, et ça n'a pas journaliste et opposition. Dans la télévision, ils demandent le départ de Félix. Mais ils soutiennent les personnes que Félix a nommées. Logique, exact. Et puis ces gens-là, ils ont 4 000 dollars par mois.
$3 000, $2 500 par mois. Donc nous, nous sommes des délaissés de ces régimes. Mais ils entretiennent parmi eux M. Samadou Kondé. En fait, c'est cette histoire de l'union sacrée, c'est un conglomérat des hypocrites. Des gens qui ne sont pas sincères avec nous. Le jour où ils sont avec nous, la nuit, ils ne sont plus avec nous. Et ils critiquent même le président de la République. Bon, mon âme, vidéo, mon Deron Simbaté, ça veut tout dire. Quelqu'un qu'on a fait ministre dans ce pays. Et il n'est pas seul, ils sont nombreux. Que mon Konzambo Kaboué, non, excellence, monsieur le président de la République. Mais dans, en catimini, ce sont des gens qui nous critiquent à longueur de journée. Je suis d'accord que M. Samba ne soit pas président du Sénat. Parce que c'est le dauphin constitutionnel du président de la République. Ils étaient déjà dans le calcul. Et pourtant, Danny Banza a lobby que on va tenir promesse à chef de l'État, à Kenda Kiti, à Gantatanga, réunir notable à lobby que Sénat, bureau Sénat, présidence du Sénat, pardon, a réservé en gros. Bon, réfléchissons à haute voix. Promesse à Ngo Salamaki avant les élections, puis après les élections. Si c'est avant les élections, ça se justifie. Mais après les élections, qu'est-ce que M. Samana Dani Banza, il y a une assiette, un nombre de députés nationaux, un député provinciaux. Tout se justifie par le poids politique et puis le rapport de force. C'est un piètre au Katanga. Il n'est même pas leader, il n'a même pas un leadership fort là-bas. Qu'est-ce qui nous a mené dans l'assiette Moïse Katoumi nous a battu là-bas? Maintenant, tu veux réclamer un poste et tu as amené quoi au président de la République? Tu as été premier ministre. Tu n'as même pas su donner au président de la République beaucoup de députés parce qu'il y a un membre à présidium. Par défaut d'ailleurs, pasteur Guili. Parce qu'il y a un premier ministre. Mais ce régime a fait de ce monsieur ce qu'il est. Directeur général à Gécamine, premier ministre. Est-ce que tu ne peux pas t'arrêter là? Tu veux réclamer encore quoi? Qui vous dit que le grand Katanga est derrière M. Dani Banza et M. Samalo Kondé? Ce n'est pas derrière, on a un député Bellet. C'est une logique. Tout ça n'est l'eau au Tekuna. Que nous avons la liste de députés nationaux, espace grand Katanga. Qui sera le futur dauphin constitutionnel chef de l'État? Mais l'IDPS a levé l'option de M. Idriss Hassan Mangala. L'IDPS a levé l'option. Est-ce qu'ils ont fragilisé l'union sacrée? Non, d'abord, qu'on a fait une ordre de Est-ce qu'ils ont début à Christé dans l'union sacrée? Mais il y a toujours eu des crises dans cette histoire. Nous, nous voyons l'IDPS, nous voyons le chef de l'État et ce qui accompagne le président de la République dans la sincérité. Là, c'est un conglomérat des hypocrites. Idriss Mangala, Hassan Mangala, candidat de l'IDPS. IDPS pèse 40 sénateurs, na mosaïque. Et puis, d'ailleurs, le président de la République n'impose à personne. Mais pourquoi ne pas organiser primaire Nengi Salamaki d'Assemblée nationale? Mais les gens viennent encore dans des médias, il fallait primaire. Mais finalement, nous voulons quelque chose de son contraire. Laissez les choses aller comme ça, Bandongwana Nengwana. Très bien. C'est le meilleur organe. Donc, c'est pour dire ceci. Monsieur Samalo Kondé ne mérite pas d'être président du Sénat parce qu'il n'a rien apporté dans la gouvernance à Monsieur Félix Tshisekedi. Au contraire, il est parmi, selon nos sources, des gens qui ont soutenu, des gens qui nous combattent matin, midi, soir. T'as là-bas, médias. Mais au moins, on a atteint la délégation, trois journalistes opposition. Des communicateurs de l'opposition, même des directeurs généraux, même à côté de l'inspection générale à la finance, ils sont là. Et nous là, nous avons combattu pour rien. Mais comment expliquer avant d'appeler ça Malobana, mon amour, papi Josso, dans où tu vois l'andaïo, le bissam, Maloukon n'a rien fait, alors que mon conseil en campagne a vanté, mérite et belé à gouvernement Sama, les acquis à consolider, ils allaient gouvernement Sama. Comment vous expliquez ça? Lelo, il n'a rien fait parce que Aza candidat président Sénat, mais pendant les élections, il y avait des actions qu'il fallait présenter à la population, à gouvernement Sama, pour que le président puisse avoir le deuxième mandat. Mais c'est le discours à campagne, mais les résultats des élections, ça donne quoi? Les élections, ça donnait quoi sur le terrain? Parce que Mokonzamok, Fachaza stratège. Il faut faire très attention avec ces messieurs. C'est un homme poli, il n'expose pas les gens, ni ses collaborateurs, mais il sait que celui-là foif. S'il avait réellement été fort au Katanga, mais Moïse Katumbi n'allait même réclamer rien dans ces pays. Mais il n'y a rien là-bas. Kende, Tokena Sandoa, Madame Adelga Imontaniki, Tokena Sakanya,
toqué partout dans Lubumbashi, toqué partout, surtout, Bakota Bamelembankou, Bakambov, toqué Kuna na Batanganyika. On a échoué là-bas. Mais s'il était un leader fort, on allait renverser les choses. Moïse Katoumi n'allait rien avoir là-bas. Très bien. Donc, c'est pour dire ceci. Monsieur, tu as eu tout ce que tu voulais. Reste au Sénat et laisse le pays être géré autrement. Tu as déjà tout eu. Premier ministre. Papi Djosso, union sacrée, consensus est athée, Bazo Kenyana ordre dispersé. L'UDPS présente Idriss Mangala contre Sam Alukonde, ancien premier ministre. Qui Bakatangé en général, Bango Balobik, pas en général, mais Dany Banzalobik et Mokonzamboka promettent qui Bango Bazo tenir en Amaloba Mokonzamboka, Bango Bazana Sima et Sam Alukonde. Merci beaucoup, Ndeko Mitterrand. Oui, que président de la République, Azan Papa Yabana. Papa, cause à la fin de la famille, on y bat à Bazoli là. Mais il n'est pas temps à Kolia. À cause de biscuit à Pessimon pour se calmer. Promesse. Le président de la République, si elle est vraie, à Salagi na basama, et ça qui biscuit après ça qui bam. Et ça qui biscuit. Et ça qui faut fouter. Maloba yamoko izara sacré. La lobby, le président de la République, Azali ko incarné Mboka. C'est-à-dire, il peut voir qui donner, qui n'est pas donné. Mais je voudrais revenir sur la question de Pierrot Loire. Pierrot Loire, un tout petit peu. Est-ce que vous avez vu que Mouto yazo vilipandé? Le chef de l'État, sa femme et sa mère. Pierrot Loire s'est marié à une femme. Pendant leur vie conjugale, Zubana, environ 4 ou 5. Mais après un moment, Pierrot a accueilli, a tindi moi aussi dans les États-Unis pour qu'il ne revende. Et on s'est rendu compte que Banoana Bazara a Pierrot Loire. Mais moi aussi, je suis à Bali. Je suis à Bali dans 4 ans. Mais les études démontrent par après que Pierrot Loire n'est pas le géniteur de ses enfants. Or, avant qu'il n'ait moins de Ndakou, Bago Botaban. Allez-y comprendre le prototype Yamoutou Oyo, Azali, qui a incriminé le chef de l'État. Peut-être ce ne sont pas les événements malheureux de la vie où est comme ici Pierrot Loire est né contre le président de la République. On n'a tout qu'à question. Naye na makambo ya union sacrée par rapport ya Sénat. Il est dit en latin, Musokuwa mei mei cha unkabutu. Un pays qui ne converge pas, tina na yango eza ko disparaître. Mais ce qui est allé loko union sacrée, ngana yepsa ki président de la République boy. Il aurait fallu que Félix Tshisekedi crée sa propre classe politique. A quoi créer classe politique na yen nengenini, na banane, papa Sengili, papa Pido son troisième intellectuel, ba mitere naya, parce que baba Joseph Mbenza, et sa bat oyo, bako kaki ku apporte un plus et pas ya moko zamboka. Bato bako kaki ko tchayete, bato na baou na ye. Mais baka piliko mou boutiste oyo, batata oyo, qu'est-ce qu'ils ont amené, loko la prouesse auprès du chef de l'État? Le chef de l'État se retrouve seul. Ni t'était la communication. Nandenge to vandiboui. Parce qu'il y a Robo Yangate. Ni t'était la communication. Oh, bisomoro to simbi. Et l'autre, n'a bisonio se noto zaboui. Nan a évité que la communication à président c'est d'arra faible. Et ça l'a moussalate. Et, makambo yonenge zo kende boui, mon cher ami Mitterrand. Ponanga, j'aurais souhaité que tout l'andata. Exemple à Sénégal. On peut dissoudre. C'est Nawana. C'est une institution médiatique. On va supprimer Yango. J'aurais appris qu'il y aurait détournement. Il n'y a pas longtemps, la président provisoire. Bah, détournement sur détournement. Le Sénat Obisoto Yebi, une maison des sages. Au moins, il y a papa Oyo. Il y a Souki Yapembe. Les autres communes, le Sénat, il y a Ivan Kazadi. Les autres communes, le Sénat, il y a Francine Mouyumba. Allez-y comprendre. Moi, ce que j'aurais tenu chez Sam Alukonde dans Jésus. Parce que depuis que je suis à Sam Alukonde, il y a à propos et Augustin Kabouy. Oh. Mais je vous dis. Vous en avez. Ce qui Augustin Kabouy a sali sortie médiatique, il y a trois choses. Diarrhée verbale, incendie. Oh. Et la soirée, il y a eu un peu de temps. Mais ça, tu as dit.
Ça, c'est grave, ça. Ozo le bah, quand même, le secrétaire général est parti présidentiel. Je parle au secrétaire général. Non. Bah, on va dire que c'est un ex. J'ai suivi une chôlée ici. Troisième mois, je parle. Mais c'est quoi le troisième exact débat sur le plateau? Il n'entretient pas les communicateurs, mais tant que ça a incendié dans le diarrhée verbal, ce sont les communicateurs maintenant qui sont sur les plateaux. Bah ouais, après ça va 50 dollars, bah 100 dollars, de bazoya. Et nous, bah nous sommes bazo lingakutu, il y a attaque la kabangote, mais bazo lingaba sauver honneur et à partir. Nous apprenons que maman na bagarre et salami na parlé du peuple entre bah pro na anti Kabuya. Parce que Kabuya est qui accompagné donc Tiké, il y a eu de PES, Tiké à Idriss Mangala qui a s'est heurté na banti banti badon bitumbe bunda mi kuna na parler du peuple. Moi je sais que je crois que le président de la République il faut atala eloko. Parce que déjà ndenge ba bandi koyé makabuya kend. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi Kabuya a so vandaka na kitwana. Je ne suis pas de leader PES, on est à makambu ndeko na ngai akolob. Je disais faut tu ne rana loba parce que ça y a leader PES. Moi je suis aldec. Je disais la gestion ya sama lokonde eza lokola ba propos ya Augustin Kabuya. Sama lokonde je retiens de lui quand là t'as pas pantalon y a pas dongi. Ok, oui, même maintenant la veste t'as là n'a pas bissé quand on soit tambola sans le compte à zaki quand n'a pas dongi tout moi pantalon y a m'écoute ma veste bouillée ainsi de suite na augmentation y a bidien abisso y a 16 milliards et si li à part wana aïe qu'à qu'on s'enrichit et si li très bien. Donc par rapport au ya sénat soit qui il dépense et porter candidature, bien que Nauti Kosenga, na Mokonzamboka, pour que bah, dissoudre l'institution, voilà, parce qu'ils ont des divorces. Mais comme ce n'est pas le cas, que bah, député, bah, sénateur plutôt, va se prendre en charge. Batalate ba intérêt mesquin na bango. Batalate ba vie privée na bango. Batalate ba voyage ba kosala. Na uchu mona un député awa bazaka soki plusieurs fois ministre awa. Azo kende na vacances parlementaires. Akei na Willy Michik. Na Méditerranée. Voilà les gens. Les gens ya ba parlementaires tout na bango. Ce sont les mêmes bah, sénateurs. Jamais tu ne verras un sénateur pendant les vacances parlementaires à Kitana Baznaï. Très bien. Alors, si j'ai Asuka Togobeta Nisolo, Nango Izali, ville province à Kinshasa, et Paiwapi, tout le monde a qui bon gouvernement provincial, ils a qui investi ce dimanche 4 août 2024. Gouverneur Daniel Bumba a promettre que. À Kosa, la ville de Kinshasa, une ville moderne, salubre et sécurisée, un programme chiffré à 10 milliards 900 millions de dollars pour 5 ans. Est-ce que ça réalise d'abord le budget, Wana? Bon. Ah. Quand on sait que Kimbuta Bandai Kolelambongo Izate, Kimbuta, il semblerait qu'il y a Tika Kinyongo, il y a 60 millions, et pas il y a Ngobila, Ngobila Pé, Lelimbongo Izate. Ngobila ke ya tiki ba nyongo ba administratif ya ville province à Kinshasa ba futa mate ba ndaku te mona même ba bengana même ba donc ba service ya hôtel de ville na ba ndaku parce que ba ko futa loyauté 10 milliards pour 5 ans c'est réaliste yango zomona l'IDP s'est émis à l'épreuve. Je crois que yana nga gilia ko contredire ngate parce que depuis Kinshasa za Kinshasa Naibite ce qui gouverneur Moko ici à IDPS à Géraville, province à Kinshasa. Donc ce qui monsieur Daniel Bumba a échoué. Donc ils ont bisoko toko kangana biso monoko ville mobimba. Vous comprenez? Moi j'interpelle car à monsieur Daniel Bumba. Il faut zonga na source à IDPS. Il faut avoir une bonne équipe de communication. Parce que Kinshasa, c'est une réalité complexe et difficile. Kinshasa a zana batune oya yo kaka. Kinshasa zana batune oya komprenaka. Comment vous pouvez faire une équipe à communication? Oui, bien que na parti na yo il y a un certain Gili Bokwa là, vous le mettez de côté. Même pour la consultation. Même pour la conseil. Maintenant tu vas communiquer comment? Toro. Ça c'est un problème. Ambition Macron lobi boye. Nani Sarkozy, Alobi, l'ambition est légitime quand on est prêt à payer le prix. Donc, M. Daniel Bumba, Azan a ambition. Première année, 500 et quelques millions de dollars. Deuxième année, c'est 800 et quelques millions de dollars. Troisième année, c'est 1,2 milliard de dollars. Quatrième année, c'est 2,2
2,7 milliards de dollars. Cinquième année, c'est 5 milliards de dollars américains. Mm-hmm. Entre-temps, bah, taxes, il y a DGRK et Belé a indexé dans la banque mm-hmm. pour payer les dettes de Kimbuta et de Ngobila. Maintenant, comment mobiliser cet argent-là par année pour résoudre le problème à Kinshasa mm-hmm. C'est toute la problématique. Donc, il faut une équipe costaud, cohérente. Il y a communication, va expliquer dans le détail ce que c'est votre ambition. Mais la monnaie n'a qu'à t'ambitionner selon ce que j'ai lu dans des documents. Mmh. Sécurité, assainissement, embellissement à ville, mobilité n'a qu'à ta ville, province à Kinshasa. Mmh. Et construction, puis, bâtiment public urbain. Mmh. Et tout ça, consort, c'est bien, ce sont des bonnes intentions. Érection d'une nouvelle ville, mmh. il y a de l'autre côté. Est-ce que ça s'appelle à bonnes intentions, t'es? Mais il faut faire attention. Parce que dans mon cas, le budget, il y a érection d'une nouvelle ville avec Tom Mokondambo Kakendaki en Égypte, où M. Guy Luando a piloté. Le budget, c'est 2 milliards de dollars. Pour le début, à commencement, il y a une nouvelle ville, il y a Kinshasa, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Mais il y a un avantage. Avantage, c'est que Daniel Bumba a hérité, il y a contrat sino-congolais. Mm-hmm. Parce que le premier versement de 300 millions de dollars pour la construction, il y a Rocade, il y a ville de province de Kinshasa, 200 km, il y a un mandat. Donc, ce qu'a sali suivi à bien capitaliser, ça sera une bonne chose. Mm-hmm. Et puis, il faut voir aussi, Mbambou, la Tala Banzela, la ville province de Kinshasa, presque Nyon, c'est ça, Kokoufa, 80% de la chante Nyon, qui est Ngobilati, qui est à l'arrêt. Et puis, problématique, il y a Zando. Mais moi, je crois que M. Daniel Bumba n'a habité pas ambitionné parce que je ne suis pas proche de l'équipe. Mm-hmm. Normalement, je devais être là, mais je suis très loin de l'équipe. Mm-hmm. Je ne connais pas vraiment comment il va démarcher, mais c'est que nous lui souhaitons toutes les bonnes chances du monde. A réussi parce que ce qui a échoué, c'est l'IDPS qui va en partie. Il va réussir. Moi, je prends deux objectifs au Azul Luka à poursuivre. Concilier ce phénomène Kuluna, na sa liberté à ville province à Kinshasa. Il va s'y prendre comment? Non. Surtout, la ville est très sale. Pour la trop sale même. Pour la salubrité, le président s'est impliqué avec l'entreprise Al-Barak, il y a Égypte. Turc. Nous avons déjà à côté qu'un contact Nabango pour que dès l'entame, il y a même entreprise qui est prête parce que Bandos est là qu'un investiture. Donc là, il peut donner un coup de maître, c'est possible parce que c'est déjà un dossier qui est Ngobila Tretaki. Oui, là, qui Mokonzamboka a réactivé Kiango, c'est possible que la ville, dans le jour qui vient, certaines communes, certains coins de Kinshasa, comme ma propre insécurité, Namona qui il prend un bataillon spécial, il y a Bato Barozala formé pour traquer le banditisme urbain et puis la criminalité organisée. La Katuantona Bakinapeur, ceux qui vendent de la drogue, des boissons alcoolisées. Il peut réussir, c'est là. Il peut réussir. Mais Ezo Senga, sérieux, il y a des ministres provinciaux. Donc, s'il y a des ministres, là, Toebi, qui est un de notre, je sors au contredit, il y a un ministre provincial, il y a santé, que nous soyons docteurs praticiens. Donc, il a des gens compétents, mais problème, mais ça, que non, à Captain Mbongo. On a mon avis déjà, je crois que son excellence, monsieur le ministre Doudou Fomba Fachepoa. Parce que, dans mon acquis avec M. Nicolas Kazadi, il était en contact avec M. Nicolas Kazadi. Le contrat révisé, sinon congolais, Bapé, ça, Mambo, mon avis, province à Kinshasa, je l'encourage à Kende encore, comme on a M. Son Excellence Doudou Fomba, parce que Azak tellement actif. Dans mon acquis, Excellence, parenthèse, Doudou Fomba, avec syndicaliste, il y a Onatra. Parce que le 200 millions qui était bloqué par M. Nicolas Kazadi, lui, avec lui, c'est la célérité dans le traitement du dossier. Donc, il peut réussir. Et puis, il y a pas mon grande ville sur ma capitale, le gouvernement central appelle ça Rambongo. Dans tous les pays du monde, il y a des villes qui reçoivent 10 millions, 5 millions de dollars. Mais sous Ngobila, 2 millions, 22 bima, à quel son barba Bami Touka. Oh, il fonctionne. Donc, ce qui M. Daniel Bumba, c'est sérieux. Moi, mon cœur, Kokota, qui n'a pas mon construction, ma route, Talande Tibiso, Aliboso, et Aébativi, Nanyangwa. Une route défectueuse complètement. Très bien. Ma route est belée. Donc, il peut réussir s'il y a du sérieux. Mais. Il faut tenir compte de l'aspect belé, il faut zong à la base, et il faut aller à la bateau pour accompagner, surtout pour ta partie. Très bien, mon Mboka Djosso, avec comme slogan Kinshasa et Zobonga, Olanda qui programme et investiture, Olandi budget OATIE, avec objectif à poursuivre. Est-ce qu'on peut faire confiance à Daniel Bumba qui déjà, du reste, physiquement, c'est un monsieur déjà fatigué,
même les matins, il semble être fatigué. Même le pauvre Nabangope, il est fatigué. La commune à Kinshasa, sans clôture. Bon, la bango. Et pas la bango. Pas la bango. Ah, voilà. Sans clôture. Si vous avez le bango, vous avez le bango, vous avez le bango. Je reviens un peu à mon candidat, Salomon Escadela. Ensemble pour la République, il y a Moïse Katoum. Je vais vous poser une question. Ah, vous avez postulé dans le poste dans le Sénat. Est-ce que vous avez le Katoum? Après que tout le monde a eu une institution, on a fait un sous-commandant pour dire oh, ils sont ensemble de gérer. Ah, est-ce que c'est la Yéwa la Zoya? On a eu un journaliste Mbongo, pour que le bateau soit là, on a eu une image. Ah, c'est Zoya. Mais tant que Zoya, on a eu un régime, il y a un régime qui a eu un régime qui a critiqué, il y a un marionnette, il y a un incompétent. Mais Zoya, pour travailler pendant règne. Très bien. Dans tout le cas, il y a un peu donc, nous ne savons pas que tout le monde a comme un sac. À ta réflexion, il y a un peu de temps. Tu as dit que tu as Kinshasa. Tu as dit que tu as Kinshasa. Oui, puis, les députés provinciaux, il y a la ville de Kinshasa, va décevoir la population kinoise. Ils ont déshabillé Saint-Pierre, va habiller Saint-Paul. Il le pèse. Il est passé de se voir à Kinshasa. Dans le lobby, les députés provinciaux de Kinshasa. Il y a IDPS. On est à la majoritaire. Bah, on est à la majoritaire. Ils sont déçus. Si c'est IDPS, j'assume mes propos, bah, décevoir la population kinoise. Dans quel état Saint-Pierre Ngobila a-t-il Kinshasa? Dans quel état Saint-Paul Bumba Tozanango? Parce que Moutouana va nommer. Combien de temps ça a pris pour Abimisa, gouvernement provincial, Daniel Bumba? Chose grave! Bumba de l'IDPS va nommer un directeur de cabinet. Moutouya Moïse Katoumbi ensemble, un journaliste proche de Moïse Katoumbi, celui qui a battu campagne pour, je me dis, na IDPS. Ba passer Gili Basala Ganini, ba Joseph Meza Basala Ganini, ba to nyoso to yebi mitu ya IDPS, ba chole Basala Ganini. Est-ce que Gili Bokwala, Azali incompétent, pour Azala, directeur de cabinet ya Bumba, par rapport ya Moussa Azali ko rendre la République? Oui, ça merci, ba pesa na moi. Voilà bateau le chef de l'État a pesa confiance. Ba ko pesa confiance boué, osu mutu ngambo kotoyo, otiki bananda ba ko telengana. Le comité a une expérience parce que en latin on dit l'ungeni ni meji chitu cha mushinga. La sagesse et l'intelligence ezali likambo ya motuya. Mabala ya bato ekufaka parce que bato bazangi intelligence na sagesse. Bato mususu ba ministre na ba président intérimaire ya ba parti politique mususu bakokaka ko gérer te par manque de sagesse et d'intelligence. Kabuya Zoko a géré IDPS. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas mis à son entourage sagesse et intelligence. Va voir les gens qui sont autour. Donc il sait Kabuya. Au coup, là. Très bien. Alors, Daniel Bumba a mis le chiffre. Il a mis le chiffre. 10 milliards. Mais le gouvernement central a gagné 16 milliards. Par quelle magie? Par quelle magie Bumba va atteindre ça? On a une expérience par rapport à la sagesse dans le lobby. Awa, binonyo soto vandana binoa to lali to la moki, gouvernement, je crois ça m'a dit. Et bini, otalabo et vice-premier ministre, ministre de l'économie, c'est le docteur en économie. Et moi, par ignorance, je me dis, ah, Seigneur, merci, parce que au moins, nous avons eu un vice-premier ministre, il y a économie, c'est-à-dire que stabilité, peut-être, il y a taux d'échange, et qu'on a là, bah, Thomson, et ça, là, qui n'en a ni bi, et quoi, qui qu'on a. Donc, je m'étais dit ça. Pourquoi? Parce qu'on a nommé quelqu'un qui est focalisé en cette matière-là. Avant que tout le gouvernement, on est ici, là, il y a mon quoi, tika ministère. Et le côté, vous parlez de Kamere. Je parle de Vital Kamere, il est vivant. Tout le monde a plateau, il y a que pendant le règne de Kamere, comme vice-premier ministre, ministre de l'économie, à Salakibouy, à Maitriza Kibouy, à Salakibouy.
C'est ça. Par rapport à cette expérience, je ne peux même pas oser une minute donner une chance ou maudire Bumba. Très bien. Comme on dit en latin, Mahasato amwenena munganda. Les Américains, bazakana posa ba diplôme te. Américains ata otangite, mais ba mona capacité, compétence. Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que tu peux nous amener le résultat palpable? Dès aussi longtemps qu'il y a des résultats, de mon résultat, autant que nous allons t'applaudir. Très bien. Alors, Tokomina Souka, en une minute, mon amboka Joseph Mbenza, agent et fonctionnaire et à l'État, entre les 18 et le 28, qu'on touchait déjà le salaire Nabango sans problème. Mon amboka Doudou Fouamba, Alobi, salaire et sala Moukie, et sala Ebele. Ce qui est important, c'est les régularités. Ce qui est important, c'est que l'État a fait entre le 18 et le 28, a fait la planification pour que atteindre les deux bouts du mois. Et agent et fonctionnaire, l'État a mis vraiment l'initiative. Déjà, premier pas, il y a Doudou Fouamba, na tête il y a le ministère et la finance. Ozo Jiji, il y a un gili, il y a une question Mitterrand. Qu'est-ce qui avait fait que M. Nicolas Kazadi nous a peint une situation que les gens ne pouvaient pas être payés à temps? Parce que c'est le même pays, c'est le même ministère. Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? Parce que les gens étaient payés le 35, même le 40. Mais Doudou Fouamba arrive, les gens sont payés à date échue. Batobaebi à date échue, c'est-à-dire déjà le 28, tout le monde perçoit son salaire. Ndolobi, ezala mouké, ezala belé, mais du moins, il a ça dans ses mains. Et puis, sur Taliba Bank, ils sont sous rempli T, comme c'était à l'époque. Parce qu'à l'époque, ils allaient qui au Kendeboé, la banque, ils ont rempli francs congolais. Mais avec Doudou Fouamba, on a senti déjà que non, sur le plan, il y a régularité. Le salaire est en train d'être payé, même pour opposant Bazassou dans ma Kambarolobate. Parce que pour opposant Bando Kangamana, Mokesa n'a pas si. Ma fonctionnaire Bazassou a payé. Mais aujourd'hui, ce discours est dilué totalement, vidé de son sens. Deuxièmement, selon ce que j'ai appris, selon mes sources, il est en train de réduire de manière drastique des paiements à mode d'urgence. Paiement hein, de 22%. La procédure d'urgence. La procédure d'urgence. Mais il faut avoir du caractère pour faire ça. D'où vient ce monsieur? Il était là, l'UDPS. Il était là, l'UDPS. On a compris que Doudou Fouamba, c'est parmi les rares personnes où on a Jésus en Mboka actuel qui pourront nous donner un discours en 2028. Bandeko Natra Bayambine, c'est moi, il y a trois mois à rire, à éponger. Je te dis, Bandeko Natra Bazako CPLA, et puis tous les fonctionnaires de l'État. On n'a plus de mots de tête. Il y a autre chose qu'on encourageait, monsieur, son excellence, monsieur Doudou Fouamba. On sent que ce monsieur, il est humble. C'est pas un orgueilleux, il n'est pas ostentatoire, Azaba Pekate, il vous donne pas trop de théories pour vous montrer qu'il maîtrise la macroéconomie, la microéconomie, non. Il est calme et il est efficace dans l'action. On a besoin de gens, de Ndegonanga, le troisième intellectuel à Lobby, à Kabe, à Kamanga, on a besoin de gens qui nous donnent des résultats sur terrain. Mandat Otoloba, nous n'allons accompagner que ceux qui apporteront des résultats sur terrain. Très bien. Et donc, bravo à son excellence, M. Doudou Fouamba. Et puis, c'est un grand leader. En tout cas, il m'a surpris. Je n'avais pas imaginé, grand frère Gili, que Excellence Doudou Fouamba. Non, c'est un grand leader sur lequel il faut qu'on s'appuie. Très bien. Imaginez que la province Nalandaki, Ndekonanga, Pascaline, Nalobaki, c'est une province réputée pour l'opposition, mais avoir un leader de l'UDPS. Qui renverse la tendance. L'UDPS. Je dis bien UDPS, c'est rare. Très bien. C'est un monsieur qu'il faut bien protéger et vous pouvez compter sur nous. Très bien, mon Amboka, troisième intellectuel, Yakabe Yakamwanga Papi Josso. Les premiers pas, il y a Excellence Doudou Fouamba, na tête, c'est ministère à Finance. Et Zandengeni, Orojian Ndengeni. Bravo pour lui. Topec, ma félicitation. Et Zabat Oyo, le président de la République, il faut abakisser les sous-moi dose de confiance parce que Bazali Kopé, ça va résoudre. Mais je vais dire une chose. De Mitterrand et pas na biso na Congo awa. Anormal et commis normal. Je donne un exemple. Moi, je suis né à Kabeya Kamwanga, au village.
Je parle de notre maison. Il y a 22h, deux fois 23h. Maman Kouta Bilanga. Aya Bandiko Pelisakoni. A Lambi Pondou. Deux fois Pondou et Zanga Mafuta. Akola Moussa. Mouana Nangaï, Bola Mouka, Bolia. Na kozwa fufu, na zui na chubi na zelu, na meli, pourquoi pongi, toli areta. Cette vie-là d'anormalité, biso to komisa kango, normal. Mais quand je viens à Kinshasa, je trouve que il y a des enfants qui vivent na opulence. Na tongo, bakoulia ba mayonnaise. Mais ponanga mayonnaise, comment? Et ça là qui, loko la, et loko moko bo, extraordinaire. Et ça loko la, makambo ya paiement. Donc, nous, Congolais, nous vendons dans la maison parce qu'il y a un ministre qui nous félicite. Il y a un bandit qui nous fout régulièrement. Régulièrement, tout le monde a quelque chose de grave. Alors que ça pouvait être normal. Même le ministre Moussous m'a précédé. Il y a maintenant un problème qui se pose. Doudou Fomba, origine estudiantine, naïe, Ezali. Quelque part aussi, dans l'École nationale de finances, NF, Monsieur Excellence Doudou Fouamba, a eu bien le problème, il y a affectation, il y a battu, il y a élève, dans l'École nationale de finances. Matata Pogno a bloqué Eloko Wana, mais c'est aujourd'hui que l'actuel ministre et la fonction publique a perçu NFIE. Mais il se pose un problème, il y a affectation. Mais bah en effet nous sommes sangana basala ba réunion nous devons répondre à bango azate inquiétude na bango baso loba que comment nous pouvons avoir un enfant il y a un œuf mais le long a comme ministre et si ka oyo a koki ko décanter situation mais a décanter yangote ce sont les questionnements que bana NF nyoso ba se poser oyo nazo profiter na micro ya Yeba TV po et ça les chaîne moko excellence Doudou Fomba Kolanda avec tout respect toute humilité excellence s'il vous plaît lukela ancien collègue Nayo solution par rapport à l'Igambo affectation parce que le directeur général il y a DGI à lobby titre bah grade plutôt au bah pessi bango salaire résident l'icolo bah au coco foot à bango je pense avec votre intelligence votre courage votre bravoure vous pouvez quand même apporter quelque chose de bien ça n'est fini il y a École nationale de finances merci de comité rena ya pona messaya lelo tolier kito que je pense que tant mususu comme on dit en latin moulenge la kabola kalema donc leader ici gazali na coin à moni moi bah je pense que tant que tu quittes ton hobby matériel, après c'est sinon l'iboso est malaltima, il faut bête à boyer, très bien, bête accrocher boyer. Après merci beaucoup. Merci na troisième intellectuel Kabeya Kamwanga, Papi Josso. Je rappelle que vous allez communicateur et parti Aldec, parti il y a honorable Adel Kainda Maïna, Maman Namwende. Donc, tu peux essayer de te placer à Zali. Merci à Joseph Mbeza. Vous allez communiquer. Je rappelle que vous êtes communicateur et à UDPS, parti présidentiel. Merci à Ndengebo Ndimaki pour répondre à l'invitation à Abisso. Merci à Steve Kone, à Technique. Merci à Rabi Mokoko, à Nabo Sanité, Mike Chiswaka. Merci pour la présence aussi dans ces studios. Il y a Pasteur Guili. Na mon amboka de papa ou va participer bah c'est ça qui bongo na émission au-delà de nos divergences d'opinion la République démocratique du Congo reste et restera toujours plus grande que la somme de nos ambitions individuelles en attendant mesdames et messieurs portez-vous bien car chaque jour est une vie. Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice.
Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice. Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit.